Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'établi. J'installe le plan de travail et je vous parle aussi du système MFT. Allez, c'est parti! Alors oui, je sais, je ne vous ai pas montré la pose du plan de travail. J'ai qu'à oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer, à croire, c'est ma première vidéo. Désolé, mais bon, je vous montre ça tout de suite et je vous explique. Alors, pour la fixation des plans de travail, j'ai bien dit des plans de travail, parce qu'en réalité, il y en a deux. C'est deux plans de travail de 63 par 2,50 m et d'épaisseur 25. Donc pour obtenir une jonction parfaite, parce qu'en fait, la jonction, elle est ici, en plein milieu. Elle se noie en fait avec le lamellé collé. Pour avoir une jonction parfaite, il faut s'assurer que votre champ soit bien droit, bien dégauchi et surtout bien perpendiculaire. Donc bien sûr, quand vous les achetez, ils ne sont pas. Donc pour corriger ça, j'ai posé une règle de maçon en aluminium, bien droite, et je suis venu avec la défonceuse rattraper le champ avec une fraise comme celle-ci, hélicoïdale. Ça m'a permis de bien redresser le champ et surtout qu'il soit bien perpendiculaire. Alors, pour joindre les deux plans de travail entre eux, c'est ni collé, c'est pas une rainure languette et c'est pas non plus des lamellos. C'est un système que j'avais vu sur une cuisine équipée. Donc le système, il est tout simple. Donc là, on voit bien la jonction des deux plans de travail. Donc
un plan de travail là et l'autre il est là. Donc tout simplement je suis venu faire une rainure dans les deux plans de travail, bien en face de l'autre bien sûr, et deux défonces pour pouvoir accueillir l'écrou et surtout la clé qui va nous permettre de serrer. Et ensuite, il suffit juste de mettre une tige filetée, là en l'occurrence c'est une tige filetée de 8, si je dis pas de bêtises, et je suis venu serrer à fond, jusqu'au temps que mon joint au-dessus il soit parfait. Et des systèmes comme ça, j'en ai mis 4. Un derrière, un ici, un autre ici, et le dernier, c'est flou. Voilà, un dernier là-bas. Hop, comme ça, ça m'a permis d'avoir un joint parfait. Voilà pour ce qui est de la pose du plan de travail. Alors, pour parler du système MFT, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des trous de 20 mm de diamètre séparés de 96 mm de l'axe à l'axe. Donc, pour pouvoir les percer et surtout les tracer correctement, je me suis imprimé un petit gabarit qui m'a aidé à les tracer plus facilement et plus rapidement. Alors, avec ce gabarit-là, il y a deux façons de les percer. Alors, première solution, c'est de dimensionner son plan de travail avec un multiple de 96 pour justement venir placer le gabarit dans un premier coin, bien le placer, que les pointeaux soient bien contre l'arête de chaque côté, et venir frapper sur celle-là. Comme ça, on a marqué un point ici, et après, on viendra décaler, mettre ce pointeau-là dans la marque ici, et les deux pointeaux ici contre l'arête. Voilà, et voilà. Et ensuite, on recommence. Donc ici, ça a été fait, et on fait ici. Et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait toute la longueur, justement, si vous avez un multiple, vous allez retomber correctement dans le coin de l'autre côté. Et après, vous revenez ici et vous recommencez. Hop, hop, et voilà. Et après, vous le décalez, et ainsi de suite. Donc pourquoi un multiple de 96 ? Bah, tout simplement parce que mon gabarit, les trous MFT, ils ont une distance d'axe à l'axe de 96 mm. Donc vous allez tomber juste en longueur et en largeur. Par exemple, vous pouvez faire un établi mobile avec des roulettes de 400, par exemple, 480 mm de large sur 960 de long. Donc ce sont des multiples de 96. Et si vous prenez un multiple, vous allez retomber juste avec le gabarit. Mais dans mon cas, moi j'ai dimensionné mon établi par rapport aux deux plans de travail que j'ai achetés. Donc ça fait 1m20. Donc 1m20, ce n'est pas un multiple de 96. Donc pour que ça fasse propre, j'ai centré mes trous. Donc là, je ne me retrouve pas avec 96 au bord, mais je me retrouve avec 120 et 120. Donc pour bien mettre mon gabarit, je suis venu tracer un trait à 120 du bord, bien perpendiculaire avec cette arête. Et j'ai fait la même chose de ce côté-là. Et ensuite, je suis venu mettre mon gabarit dessus et j'ai commencé à marquer. Et ainsi de suite. Voilà pour ce qui est du gabarit. Donc ce gabarit-là permet d'aller beaucoup plus vite et d'être plus précis et surtout de ne pas devoir tout tracer. Et un petit problème que j'ai rencontré, c'est par rapport à l'épaisseur du plan de travail. Pour pouvoir y mettre des serre-joints MFT, il ne faut pas que le plan de travail dépasse de 20 mm d'épaisseur. Et moi, en l'occurrence ici, c'était 26 mm. Donc mon serre-joint, il ne passait pas. Donc j'ai dû défoncer en dessous avec un forêt Forstner de 30 mm pour pouvoir laisser passer le serre-joint. Et là, ça passe, c'est nickel. Alors le système MFT, c'est très pratique pour pouvoir serrer nos pièces un peu partout sur l'établi sans devoir être contraint par rapport au bord. On peut aussi, là je me suis imprimé des petits pions comme ça, ça vient s'insérer à l'intérieur. Hop, hop. Je vais prendre une petite planche pour l'exemple. Mettre une petite planche et on peut venir raboter. Et voilà. Par la suite, je ferai d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes de serrage qu'on peut venir mettre comme ça et venir ici pour serrer, ainsi de suite. Il y a plein de systèmes MFT qui viendront par la suite. Et par la suite aussi, j'aurai une presse à ce niveau-là. Je viendrai pareil avec un système de pion comme ça sur la presse et venir serrer en bout ici. Ça, je pourrais serrer des longues pièces, etc. dans toutes les positions possibles. Alors pour conclure, le système MFT, ce sont des trous de 20 séparés de 96 mm de l'axe à l'axe. Il ne faut pas que le plan de travail il dépasse 20 mm, sinon les serre-joints ils ne rentreront pas. Et c'est pour serrer des pièces un peu partout sur l'établi. C'est très pratique, on n'est plus contraint avec le bord de l'établi. Alors voilà, pour ce qui est d'établi, je vais m'arrêter là
pour le moment, car je me suis renseigné pour les matériaux que je dois encore acheter. En l'occurrence, je voudrais des glissières à ouverture totale. J'ai une dizaine de tiroirs à réaliser et ça a un certain coût. Et j'ai d'autres choses à investir en dehors de YouTube. J'ai des matériaux à acheter pour la fabrication d'une guitare. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait. Alors voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que je vous ai appris certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez rien rater des petits projets que j'entreprends en dehors de YouTube, il y a Instagram et surtout Facebook. Et pour ceux qui veulent aider la chaîne à évoluer, j'ai toujours mon compte Tipeee. Pour tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo, tout est en description. Et n'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Allez, sur ce, moi je vous dis merci de m'avoir regardé. À la prochaine. Ciao !